Bon, genre, nos amis, c'est pas une nuit, bienvenue dans l'épisode 263 de notre espèce Dragon Quest Builders 2. J'espère que vous allez bien, les amis. Dans le dernier épisode, nous avions, même dans les derniers épisodes, nous avions du coup amélioré, à la base, nous avions fait une salle de bain du coup pour nos petits amis sur l'île. Voilà, bon, avec une seule baignoire qui fume, je sais pas pourquoi. Mais quand il y en a un qui fume, l'autre il fume pas. Si c'est bon, c'est bon, j'ai réparé le bug. Eh ben non, j'ai pas réparé. Bref, du coup, je leur ai fait des bains. Du coup, nous avions aussi fait reproduire les chats encore. On avait eu un chien et un chat, donc un tigré. Et du coup, nous devions du coup avoir encore plus de petits. Alors, il se trouve que j'ai essayé de faire reproduire plus de... j'ai essayé d'avoir plus de deux petits la nuit dernière et j'en ai eu que deux en fait au lieu d'en avoir trois ou quatre. Donc du coup on peut en avoir que deux par nuit en fait. Donc voilà, au petit matin vous aurez que deux nouveaux, sauf si c'est des moutons, des vaches et des poules. Eux, il n'y a pas besoin de leur donner de fraises extra. Donc du coup ils auront des petits n'importe quand, n'importe comment, tant que leur bien-être est à 100%. Alors que là, bah, pour les chiens et les chats, on peut en avoir que deux chaque matin. Voilà. Et je commence à avoir vraiment beaucoup de chats. Bref. Du coup, l'objectif aujourd'hui, c'est d'avoir deux chats. Alors ici, c'était qui? C'était... Il me faut un chat du coup. Neko et je veux lire ce qu'il y a écrit dessus, s'il te plaît. Neko et Griri. Donc il faut que Neko et Griri aient un enfant et que les deux chiens blancs aient un enfant aussi. Pour qu'on puisse en avoir un peut-être de couleur rare, ça va être compliqué. Mais bon. Du coup, il faut que la nuit passe. Donc du coup, on va faire. On va faire 2-3 trucs. Déjà enlever ce bloc parce qu'il me stresse tout seul. Et puis du coup, il faut qu'on aille chasser aussi les chaoseux, que l'on améliore les tablettes des bâtisseurs. Enfin, qu'on les décore, quoi. Et qu'on fasse les toits du côté des steppes azurées. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se rendre au pied. Et on va aller chasser un peu de chaoseux. On va s'en chasser 3 ou 4. Du coup. Et ensuite, on verra. Et ensuite, on reviendra sur île. Pour commencer. Ensuite, on verra. D'ailleurs, alors, attendez, je vais juste prendre un ami. On va prendre Atros, allez. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu et qui ne savent pas, j'ai une chaîne secondaire sur laquelle, donc elle s'appelle pas Lyon VOD, sur laquelle toutes mes VOD sont répertoriées et il se trouve que j'ai fait, on va dire, je fais du hardcore en fait sur ma chaîne Twitch, des jeux en hardcore qui sont répertoriés du coup sur ma chaîne de VOD. Et ils seront peut-être pas répertoriés sur ma chaîne principale. Parce que voilà, il peut arriver n'importe quoi en hardcore. Et si je fais du hors-cam alors que je veux vous faire. Alors que je vous fais du hardcore, si je meurs en hors-cam, c'est pas. Bref. Et il se trouve que donc, si vous voulez des jeux que j'ai jamais fait sur la chaîne, comme par exemple du Ark ou du Minecraft ou d'autres jeux et que vous. Et que vous aimez par ailleurs le hardcore, vous pouvez passer sur ma chaîne Twitch ou sur ma chaîne secondaire. Actuellement, j'ai fait du Ark en hardcore, donc Ark Survival Evolved, hein, pour ceux qui veulent. Voilà. Et du coup, vous pouvez retrouver mes VOD là-bas. C'est
c'est drôle de voir deux chaosseuses taper sur la gueule. Bon, moi j'ai eu du fer. Bon, allez, on va rentrer et on va recommencer un peu. Voilà, donc si vous voulez voir des jeux en hardcore, vous pouvez. Ou let's play en hardcore, hein, parce que c'est un peu le cas. Vous pouvez. Alors, déjà, Malrost, tu n'es pas sans savoir cette arme, déjà. Donc, c'est pas possible. Il ne peut pas avoir une lame de dragon, ce n'est pas possible. Et avoir un fantôme comme ça en plein jour, surtout que le jour vient pas de se lever, c'est pas possible non plus. Bref, donc si vous voulez voir du hardcore, donc actuellement il y a Arc, il y a la. Il y a ma. Comment dire? J'ai fait du Arc en hardcore, donc en stream et retrouvable sur la chaîne de VOD. Et il y aura aussi plein d'autres jeux en hardcore, donc il y aura Broforce, ce qui va être assez rapide sur le mode professionnel. Donc c'est le mode hardcore, hein, par prédilection. Il y aura aussi Minecraft et WoW Hardcore qui ont leur mode hardcore. Mais il y a d'autres jeux que je compte faire en hardcore qui n'ont pas vraiment de mode hardcore. Donc c'est juste le mode de difficulté qu'on va mettre au maximum. Comme par exemple, bah, Ark, j'ai juste mis le mode de difficulté au level max parce que le mode hardcore de Ark, c'est tu meurs, tu recommences sur level 1. Alors que le mode hardcore d'aujourd'hui, c'est tu meurs, tu recommences tout. Donc ton perso, tes objets, tout, tu recommences tout. Donc tu perds tout. Et pour les jeux qui n'ont pas de mode hardcore, mais que je vais monter au level max en termes de difficulté pour avoir un semblant de mode hardcore, et arrêter l'aventure bien évidemment si je meurs, hein, ou recommencer, on verra. Ce que j'ai fait pour Ark. Et ben non, toujours du fer. Et ben ces jeux-là, il y a deux Assassin's Creed du coup que je vais essayer de faire que je vais essayer de faire. Il y a tout d'abord Assassin's Creed Origins, donc où on joue Bayek, donc en Égypte. Et il y a un second Assassin's Creed qui est Assassin's Creed Odyssey, qui lui va être beaucoup plus compliqué. Parce qu'il y a des champs de bataille. Et du coup, oui, le but sera de faire l'histoire tout en faisant les quêtes aussi secondaires pour pouvoir s'améliorer, hein, pour pouvoir trouver de nouvelles armes et gagner de l'argent, tout ça. Mais ce qui va être plus compliqué dans Odyssey, du coup, comparé à Origins. Ou Origins, déjà, on a un bouclier, on peut avoir un bouclier. Donc voilà. Alors que dans Odyssée, on peut avoir de boucliers. Et le problème dans Odyssée, c'est qu'il y a les champs de bataille. Et du coup, ben, un champ de bataille, t'as plus de chances de mourir là-bas, surtout que tu peux avoir jusqu'à 5-6 ennemis sur toi en même temps. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, donc c'est les 5 jeux hardcore sur lesquels je vais jouer en stream. Et vous proposer du contenu qui peut durer 10 minutes. Comme plusieurs dizaines d'heures, mais voilà. Voilà, donc ça promet. Ensuite, pour tout ce qui est let's play sur d'autres jeux, j'ai déjà un peu réfléchi. Mais ah, il est là. Bon, alors est-ce que je peux mourir? Merci. Mais sur les trucs sur d'autres jeux, je sais pas quoi vous faire, pas vraiment. Alors j'avais une idée d'un jeu, donc dites-moi en commentaire, hein, si ça vous intéresse aussi. J'avais eu idée de vous faire, étant donné que j'ai fait le premier, j'avais pour idée de vous faire Watch Dogs 2. Donc en let's play.
Et d'ailleurs, les Watch Dogs, je pourrais a priori les faire en hardcore aussi. Ce serait une idée. Surtout qu'ils sont assez difficiles des fois. Donc ça pourrait être une idée. Mais bon, pour l'instant, je parle de vous le faire, hein, de vous le faire le 2 en let's play vu que j'ai fait le premier. Le 3, par contre, je suis pas trop sûr. En fait, je suis pas trop fan du 3 où tu as 20 000 persos. Et où chacun bah, peut être à ses compétences et tout ça. Oui, c'est bien, mais ils sont jamais vraiment sur le même endroit à faire exactement la même chose, même si on peut se déplacer, il n'y a pas de problème. Mais je suis pas très fan du 3, de ce que j'en ai vu. Donc voilà. Donc il y aura peut-être pas le 3, à voir. Après, si vous avez d'autres jeux à me proposer en hardcore, n'hésitez pas, hein, ils seront faits. Dans la grande majorité, même tous, pratiquement sur ma chaîne secondaire. Mais si vous avez des jeux à faire en let's play, du coup, n'hésitez pas à me les proposer. Je les ferai très certainement. Je les ferai peut-être en let's play sur la chaîne principale. D'ailleurs, pour ce qui est du LOL, du coup, donc il y a encore des vidéos LOL qui sont publiées aujourd'hui. Mais ça va peut-être s'arrêter et être remplacé. Alors pourquoi? Bah, la réponse, c'est que pour mes vidéos LOL, en fait, je les reprends des fois des streams quand il y a des vidéos qui sont. Quand je peux en faire des vidéos, hein, tout simplement parce que. Comment dire ça? Quand je fais des streams, les gens qui sont sur ma chaîne secondaire, bah, les voient pas forcément parce que du coup, ils regardent pas la VOD en entier. Et même s'ils la voient, bah, elle est pas montée. Donc, c'est sa version originale. Et montée, des fois, c'est mieux parce que c'est moins long sur certains endroits. Et je veux aussi vous partager du LOL sur la chaîne principale, ce qui est totalement normal vu que j'aime bien le jeu, tout ça. Et ce qui est totalement normal encore, c'est que j'ai voulu faire une pause sur LOL. Donc j'ai fait une pause. Et donc il se peut qu'il n'y ait pas de. Donc il va y avoir un manquement de LOL parce que j'ai fait une pause jusqu'à mai. Et du coup, bah, si les vidéos LOL s'arrêtent, il y aura autre chose pour compenser en attendant. Mais je vais reprendre de toute façon League of Legends en stream en mai, pour ceux à qui ça manque. Parce que voilà, je fais juste une pause, j'arrête pas. Putain, elle est où l'île? Elle est là-bas où? J'arrête pas définitivement le jeu. Je sais pas si je vais y arriver. Un peu loin. Donc voilà, donc pour ceux qui se demandaient où est LOL, bah ça. Alors il y a encore des vidéos. Parce que j'ai encore de quoi vous faire des vidéos. Mais pour ceux qui veulent revoir du LOL en stream, bah ça reviendra, vous en faites pas. Mais il faudra attendre le mois de mai. Donc le second segment de la saison. Au cas où. Et je trouve pas le cas il a. Donne que du fer, hein, on est à combien? On est à combien de Chaos? 188. On va s'en faire encore deux. Et puis ensuite on retournera sur l'île. Donc voilà, donc du coup, en ce moment sur Twitch, donc il y a du mode hardcore. Donc c'est rendu. C'est transféré ensuite, enfin transféré. Vous pouvez toujours retrouver ça sur Twitch. Mais les VOD sont dupliqués et du coup transférés sur ma chaîne de VOD. Donc actuellement il y a du hardcore. Donc sur différents jeux. Là on va attaquer le deuxième. Parce que spoiler, sur Ark, bah, j'ai fini. Je vous laisse aller voir. Et pour ce qui est de. Comment ça s'appelle?
Pour ce qui est du prochain jeu, c'est prévu que je fasse du. Bah, de toute façon, au moment où vous voyez la vidéo, bah, du coup. Alors, soit c'est déjà sorti parce qu'il y a des retardataires. Voilà. Soit, du coup, demain, je ferai du Broforce et commencer une aventure sur Minecraft. Alors, d'ailleurs, si vous voulez. Alors, attention, ça c'est important. Si vous voulez des. On va appeler ça des reviews. Ou des moments forts. Si vous voulez que je vous fasse potentiellement une review des moments forts que j'ai eu sur Ark ou sur les autres jeux hardcore qui peuvent arriver, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'essaierai de vous faire un petit récap, une petite review, de vous expliquer le jeu pour ceux qui ne le connaissent pas, qui voudraient se lancer sur le jeu ou juste un peu connaître le jeu de manière générale. Voilà, ça pourrait vous faire découvrir de nouveaux jeux, aimer potentiellement ce jeu. Et puis pourquoi pas vous donner envie de voir des vidéos ou des let's play sur ce genre de jeu, ou même voir mon aventure en hardcore en entier. Qui fait quelques heures. Je crois qu'on est à 5, 6, 15, une vingtaine d'heures, je pense. Après, c'était fait en stream, donc forcément. Forcément, c'est plus long. C'est pas des épisodes de 30 minutes. On est sur des streams de 3 à 5 heures. Voilà. Ça fait beaucoup d'infos, dis donc. Et un quart d'heure de vidéo, moi, ça va. Donc ouais, de toute façon, on touche bientôt à la fin sur notre aventure sur Builders. On va voir. Allez, un dernier chaosseux. C'est peut-être pas aujourd'hui que j'aurai la lame foudre encore. Hein. T'as déjà vu. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. Allez. Allez, on y va. Et on y va. Ensuite, on va essayer d'avoir de nouveau un petit chien et un petit chat. Où est petit chaos? Il est où le chaos? Bah alors. Ah, il est là-bas. Bon, tant pis. Allez, hop, c'est pas grave, on va rentrer. On va poser Atroph sur l'île de l'éveil et nous, on va retourner avec nos chats et nos chiens. Allez, c'est parti. D'ailleurs, si comme Orange, vous jouez sur ordi et que vous voulez venir faire une session de jeu avec moi, n'hésitez pas à demander, peut-être qu'on le fera en stream s'il y a possibilité et disponibilité de ma part. Et puis Orange, c'est pareil, si tu veux venir jouer, n'hésite pas à demander. On s'organisera ça. Wow, ok, c'est bizarre, mais ok. Allez, c'est parti. Bon, du coup, le temps n'a pas du tout avancé, mais c'est pas grave. Alors, du coup.
D'ailleurs, pour Orange, vous pouvez retrouver dans la description sa chaîne, un lien vers son Let's Play sur Dragon Quest Builders 2 et un lien vers son Let's Play sur Dragon Quest Builders 1, Dragon Quest Builders 1, qu'il est en train de faire en ce moment même. Voilà. Allez, c'est parti. Un épisode tous les lundis. À midi, je crois. 13h? Je sais plus. Bref. Tous les lundis. Alors, du coup. C'est chiant de me retourner comme ça. Bref. On va tout récolter. Hop, tac, 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 tac. Parce que eux, ils récoltent rien. Il reste 3 pots fraises. Elles n'ont pas été récoltées. Du blé, bah oui, du blé. Bonjour. Alors, je vous dépose ça. Ici, ça. Ça, je garde. Alors, donc. Alors. Faut que je dépose ça. Merde, c'est pas les mêmes. Ça. Le blé, je sais pas où est qui est-ce qui va. La teinture, de la teinture. Et j'ai des haricots là. Bah, viande de dragon, j'en ai pas besoin. C'est déjà bien bon. Ah, la viande avarie. Alors, poser des tartes aussi. C'est tous des trucs dont je me sers pas, donc je leur pose. Hop là. Bon, là, ils ont des œufs dans tous les plats. Bon, alors là, ils apparaissent pas, mais ils ont des œufs du coup. Là, il y en a 11, là, il y en a 13. Bref, ils en ont partout. Alors, vous avez combien de viande? 400 encore, ça va. Ça fait le taf, vous avez ce qu'il faut. Bref, sur ce, alors je pense qu'on va attendre la nuit. Et pour les fraises, il va falloir que j'en donne deux. Donc, il va falloir que j'en donne une à chacun de mes petits chiens blancs. Enfin, à chacun de mes chiens blancs. Et ensuite, il va falloir Gris-Gris et Kuro, je crois que c'est ça. Neko. Neko et Gris-Gris. Neko et Gris-Gris. Du coup, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on est à 22 minutes. Je vais faire une ellipse le temps qu'arrive le coucher du soleil, comme ça je peux leur donner leurs fraises extra. Ou alors je vais le faire maintenant. Ouais, je peux le faire maintenant. Étant donné qu'ils ont leur comment on dit, leur bien-être au niveau max. Donc alors, on a dit, ouais, nouveau chaton, je sais. On a dit Neko, qu'on va ajouter à l'équipe. Neko, Gris-Gris, Blanco et Neige. Et je veux pas ajouter. Bon, on va enlever Blanco. Et je vais juste donner des fraises à Neko et Gris-Gris pour l'instant. Alors. Et puis au pire, les chiens blancs, j'en ai que deux. Donc. Tiens. Et. Le niveau de bien-être n'est pas au maximum. Oh, ouais, c'est pas grave, tiens. Bah, du coup, je vais donner à. À Kuro. Soit parce que l'autre, j'ai déjà donné. Et du coup, c'est lui. Bon, bah, j'ai un chat qui me suit qui a son truc pas au niveau maximum. Mais il me semble que Kuro. C'est bien ça, c'est bien Kuro. Kuro, ouais, et petit gris sont dans le même enclos, donc ça devrait faire chaton, ok. Sont de taille moyenne. Alors du coup, ce qu'on va faire maintenant que je leur ai donné les fraises extra, je vais donc faire une ellipse et je vous retrouve pour le dodo. À tout de suite. Ah, vous êtes revenu! Ah bah re tout le monde! Ouais, en fait j'étais en train de faire une petite session de pêche. Et bizarrement ça a l'air d'intéresser les chats et les chiens qui sont tous venus. Voilà, donc ça a l'air de les intéresser que je pêche. Devant ce magnifique coucher de soleil, donc j'ai eu des poissons lune, des poissons clowns. On fera peut-être un endroit pour les poissons.
Étant donné que je les pêche tous dans l'eau de mer, bah il faut que je mette de l'eau de mer. Encore un énorme maquereau. Ouais, j'ai pioché des gros poissons lune, des énormes gros et tout simplement maquereaux. Et bah du coup un poisson clown. Et j'ai la poule là-bas, je sais pas ce qu'elle fait au fond. Allez, du maquereau, c'est bon. Allez, du coup on va vous mettre les maquereaux dans les gamelles. Parce que je sais que c'est ce que vous attendez depuis tout à l'heure. Pour les chats. Donc on va les mettre. C'est qui vit ici? Le Blanco. Blanco, il mange pas de poisson, c'est un chien. Ici c'est White. On va lui mettre du maquereau à White. Hop. Et le gros maquereau, on va le mettre. Hop. S'il vous plaît. Je veux mettre le globe à clos. Voilà. Moi j'ai encore de quoi faire des enclos. Donc on va voir si je fais encore des enclos. Voilà. Pour les poissons, on verra plus tard. Moi je veux juste les bottes de paille. Voilà. Parce qu'il va falloir en faire des enclos. Hein. Oui. Et sur ce, on va faire dodo. On va voir si on aura de nouveau résident le lendemain. Toujours avec ce magnifique portrait de côté. Alors, Blanco et Neige viennent d'avoir un bébé. Et Kuro et machin n'en ont pas eu. Pourquoi? Oh, un petit chien. Eh, il a la truffe. Il a la truffe noire. Je suis à rejoindre l'équipe. On va l'appeler Choco. Il est blanc et noir, il est mignon. Alors, par contre, est-ce que j'ai trop de chats, ce qui fait que je peux pas avoir de chat? Mais Kuro et Tigri. Pourtant, j'ai pas 20 000 chagris. Bah. Est-ce que je peux plus avoir de chatons par hasard? Ou est-ce que... Non, pourtant ils sont 22. Bon. C'est bizarre ça. J'ai pourtant donné une fraise extra à un gris au noir. Pourquoi ils ont pas eu de... Alors j'essaierai de regarder mon erreur. Mais je ne comprends pas quelle est-elle pour l'instant. Donc ouais. C'est assez bizarre. J'ai fait une erreur, oui, effectivement. Mais non, je comprends pas laquelle parce que j'ai beau. Bref, on essaiera la prochaine fois, mais il me semblait que bah, j'avais donné les fraises extra qu'il fallait. C'est frustrant. C'est frustrant quand t'as fait une erreur mais que tu sais pas quelle est-elle. Non, c'est comme ça. Bon, bah écoutez, on a fait une petite chasse au chaosseux, on n'a pas eu grand chose. J'ai pu vous expliquer ce qui se passait du coup sur sur Twitch, ma chaîne de VOD, ma chaîne principale. Donc ouais, donc c'est un peu...
C'était un peu dérangé l'ordre dans lequel je vous l'ai expliqué, mais voilà, si vous voulez de nouvelles explications, je vous en reparlerai. Je ferai peut-être une vidéo info pour en parler d'une manière plus... Bah pour tout le monde, parce que du coup, il n'y a pas tout le monde qui regarde Dragon Quest. Et j'ai parlé d'un truc global en fait sur mes chaînes et mon activité YouTube de manière générale. Donc je ferai peut-être une vidéo info pour en parler, que du coup ça pour que ça parle un peu à tout le monde. Mais oui, de toute façon, il faut le savoir, hein, Dragon Quest, bah, l'aventure elle va bien s'arrêter, bien évidemment. Au bout d'un moment, faut bien. Hein. Et puis au bout d'un moment, l'envie se tasse et il y a d'autres envies. Mais de toute façon, oui, le 100%, comme je l'avais dit, bah, est pas trop possible. Bref, sur ce, on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Pavillon 2000, portez-vous bien et à très vite.